Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour installer DayZ. Donc vous allez voir, c'est très simple, hein, pas de problème. Donc déjà il vous faudrait uTorrent, bon, je pense que vous l'avez, je pense que vous savez ce que c'est aussi. Bon, je vais quand même vous montrer, si jamais. uTorrent, donc moi je le prends sur 0.1.net, hein, enfin vous prenez où vous voulez. Hein. Donc moi je vais peut-être vous mettre le lien dans la description aussi. Donc voilà, vous avez juste à faire télécharger et puis voilà. Après, il faudra le site officiel de DayZ, tout simplement. Donc, vous allez cliquer sur Download, et puis tout en bas, vous allez. Enfin, tout en bas, quasiment. Il y aura un manuel d'installation file. Comme Manual Installation Files. Donc, vous allez prendre le FR Mirror, et vous allez cliquer sur le Last Test. Last Test. Oh là, j'ai du mal, torrent. Donc, ce sera un torrent pour. Bah, les torrents, tout simplement. Pas de problème, donc vous allez le télécharger. Moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, hein. Voilà, donc après, attends, je vais fermer ton petit truc. Ah oui, pourquoi j'ai fait ce tuto? Bah simplement parce que je vous l'avais promis dans la description que j'avais faite dans la présentation DayZ, voilà, sur ma chaîne. Donc dans les liens utiles, je vous ai mis tuto installer DayZ. Bah je vous dis que je vous le ferai prochainement, donc voilà. Ce prochainement et tout de suite. Ok, une fois tous les fichiers téléchargés, normalement vous avez. Donc moi c'est mes fichiers qui viennent directement de mon DayZ que je vais copier-coller parce que c'est, je crois que si je me souviens bien, c'est assez long télécharger, donc bon. Voilà, donc vous avez plusieurs fichiers PBO et B-Design, je sais pas quoi. Bon bref. Donc après tous ces fichiers là, vous allez mettre tout simplement dans disque local C, programme file. Excusez-moi, dans Steam, si je le trouve, voilà, Steam Apps, Common, Arma 2 Opération Arrowhead. Donc dans ce Arma 2 Opération Arrowhead, vous allez créer un dossier qui s'appellera @DayZ. Donc @DayZ, je sais pas si vous voyez, simplement @DayZ quoi. Moi je pense que vous voyez tout ça. Hop, édition, je sais même pas si on peut. Ah, si voilà, tech police, vite. Oh, comment c'est que je lag autant sur l'ordi, je lag j'aime autant. Donc, on peut voir, c'est mon premier tuto qui sera upload sur ma chaîne, simplement. Donc, je pense en faire plus, enfin, je sais pas trop, bah, ça y est, enfin. Là, tac. Donc, vos dossiers, ça peut, vous l'appellerez @DayZ, tout simplement. Et dans ce fichier @DayZ, vous allez créer un dossier. Oulou, add-ons, comme ça. Et dans ce fichier add-ons, bah, vous allez mettre tout simplement vos fichiers que vous venez de télécharger avec uTorrent. Vous allez tout mettre dans ce fichier add-ons, tout simplement. Voilà. Donc après, vous faudrait. Là, vous venez d'installer DayZ. Hein. Vous voyez, c'est assez simple. Même temps compliqué. Enfin, je sais pas si comprendre bien. Donc après il va vous falloir Deskmander. Enfin je vous incite à apprendre Deskmander parce que c'est bien plus simple à manier, si j'ose dire. Donc vous allez le get Deskmander. Donc c'est une installation très basique, hein, du style suivant machin, voilà. Donc une fois que vous l'avez installé, voilà, vous allez atterrir là dessus. Donc tout simplement là à gauche vous pouvez filtrer les serveurs, donc si vous voulez la troisième personne, si vous voulez machin, voilà. Et donc vous pouvez chercher directement vos serveurs. Vous pouvez aussi voir les serveurs que vous avez dont vous avez été il y a pas longtemps, enfin pas trop longtemps. Après vous allez pouvoir aussi dans vos, vous pouvez faire des favorites, hein. Tout simplement friend, ça j'ai jamais essayé, peut-être que j'essaierai un jour. Donc après vous pouvez le plus intéressant, donc maintenant à ma droite ce qui vient d'apparaître, vous avez Arma 2 96-184, bah, c'est la version que j'ai en ce moment, parce que j'ai gardé la version, la deuxième version quoi, qui est sortie il y a quelques temps. Parce que maintenant il y a une nouvelle version qui est sortie, c'est la 96-651. Je ne la prends pas tout simplement parce qu'il n'y avait que 13% qui est de. Excusez-moi ce volume, parce que je touche à un truc. Voilà. Donc il n'y a que 13% de tous les serveurs qui ont cette. Cette bêta, en fait, c'est la bêta d'Arma 2.
Et après, juste en dessous, vous avez le DayZ. Bah, ça, c'est votre version DayZ. Donc là, vous pouvez installer la toute dernière version, la STS. Donc simplement, vous avez juste à cliquer sur Install, juste à côté. Donc là, vous pouvez choisir du volet. Hein, voilà. Dustlinger, bah, je sais pas si vous l'aurez, parce que moi j'ai la map, mais vous, je sais pas si vous l'aurez même sur la map. Donc voilà, donc vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Bon, moi je le lance, j'ai cliqué sur Launch Using Sim, parce que je trouve bien. Si vous allez comprendre tout de suite après, je vous l'expliquer un petit peu. Donc pour ceux qui ont plusieurs cartes graphiques, ça, vous pouvez le cocher. Bon, ça vous verrez par vous-même. De ce que m'a dit, c'est vachement bien. Donc là, je vais prendre un serveur un peu au hasard. Quoique. T'as un fond. Non, Deslinger, je crois que c'est l'autre. Je sais pas s'il est toujours le serveur. Donc j'ai fait ma Deschamarus. Ah, mais il y en a plusieurs en fait. Ah, oh, dommage. Je sais plus trop c'est laquelle. Donc je cherche là, en fait, compte, c'est. Bah, c'est le serveur où j'ai fait la première commentary sur Days. Bon, je sais plus trop ce que c'est, donc on va aller vite fait sur un serveur, on tombera bien. Donc on se retrouve tout de suite sur le jeu, tout simplement, que j'irai sur ce serveur là, des Tchernarus, machin machin machin. Donc il est hosté par V-Layer, tout ça. Il y a deux véhicules, deux fois véhicules. Bon, là, il y a deux fois tous les véhicules, oh, je sais pas. Donc bah à tout de suite sur le jeu. Donc nous revoilà sur le serveur, donc là où j'ai cliqué, donc j'ai coupé un peu le temps du chargement parce que c'est un petit peu long, vous verrez bien. Donc là, je vais éteindre le serveur parce qu'il faut que je vous montre un petit truc avant. Donc dans extension, il faudrait que tous les fichiers là que vous pouvez voir soient cochés en vert. Autrement, bah, c'est qu'il manque un des trucs, il faut tous là en fait. Mais je sais pas si vous faites tous pour vous, vu que moi j'ai desk. Lingor. Donc vous, je sais pas si vous ferez tout comme moi. Bon. Donc là, on va rechercher un autre serveur. Simplement parce que vu que j'ai quitté l'autre, ça me l'a éteint, donc bon. Ah, je sais pas si j'en trouve un autre. Bon, j'espère quand même. Voilà, ok. Là, il y en a un paquet. Oh là là, la vache. Donc vous pouvez voir avec les versions que moi j'ai, tous les serveurs quasiment bah bon en fait, il y a juste celui-là apparemment il veut pas, bon. On s'en fout, donc allez, bon, allez sur ce serveur là, je vais pas regarder trop ce que c'était. Donc il est hosté par V-Layer, tout ça. Ah, c'est un serveur peut-être de nuit. Bon, c'est pas grave, allez, on va y aller vite fait. Donc je pense que je vais couper aussi le temps hein, que ça charge, je sais pas trop, ça dépend de ce que ça va mettre. Ou dans tous les cas, j'ai sûrement l'accélérer, voire le couper. En général, ça c'est long. Les chargements du serveur, simplement. Franchement, je raconte un peu ma vie là. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si les courses ça vous saoule pas. Enfin, je sais pas. Moi, perso, je dois prendre le car à 6h30. C'est vachement tôt, puis je rentre seulement 7h du soir. 7h, 7h30 du soir, franchement, ça fait des longues journées. Tiens. Et bon, c'est le lycée. Ah, peut-être, tiens, réception, chargement. Bon, ça peut faire ça 2-3 fois, donc bon. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc, je pense que je vais couper un peu la vidéo. Ah non, 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 j'ai pas coupé du tout, pas besoin. Ah, il fait même pas mis, je suis tout seul sur un serveur normal. Et en plus, je suis sur le serveur où j'étais la dernière fois. D'un coup de chance, c'est franchement. Jamais j'aurais cru. Donc, juste à. Option vidéo, j'ai ça, vite fait. Puis, j'étends un petit peu mes FPS, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez voir, bah voilà, une fois que vous avez installé le jeu, bah c'est nickel, il n'y a pas aucun problème. Je suis pas là pour un gameplay. Bon. On va boire et manger. Pas ici. Ah, il y a vraiment partout sur le serveur. Bon bref, c'est pas grave, j'ai partout sur le serveur. Je pense que je vais vous. Oh, il y a pas mal de brouillard. Je pensais que c'était. Non, pas mal de brouillard.
vrai. Donc ouais, je refais le bug. Là. J'ai pas eu de restriction sur le truc. Ah non, alors, je pensais qu'il avait remaginé depuis l'avant. Donc je sais pas ce que la mise à jour a changé. La mise à jour a changé. Excusez-moi. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Ah, je suis un petit peu fatigué, aussi. En fait. Bon, je sais pas du tout ce qu'elle a changé en fait. Apparemment, ce que j'ai pu jouer dans la dernière fois, bah. Tout simplement, bah, c'était pas trop mal. Moi, je sais pas du tout ce que ça a changé. Hein. Non, je sais pas. Bon, je vais les me cacher, je vais faire une petite vidéo. Ah, peut-être qu'il court plus vite. Déjà, il court plus vite, ouais. Oh, aussi, il court plus vite là. Ah, oui, je pense. Donc là, je vais aller vite fait sur sur un serveur normal pour vous montrer à peu près les deux types de serveurs. Donc là, si je me trompe pas, c'est juste un serveur Sanctuary. Hein. Le vouloir en plus, bref, c'est pas grave. Allez, hop, on va y aller vite fait. Abandonner, déconnecter. Donc, oui, à cette fin de vidéo là, je vais mettre le bonus que je vous avais dit dans l'autre vidéo. Vraiment, qu'on se quitte ici, syndrome même. Je vais vous mettre ce petit bonus là, hein, sympa. Donc là, on va aller sur un serveur où il n'y a pas trop de ping quand même. Parce qu'il y a du monde, je m'en bats les couilles, même si je finis, c'est pas un problème non plus. Donc on peut voir, il y a quand même pas mal de serveurs. Mais il y en a un peu plus qu'au rouge parce que j'ai pas forcément la bonne bêta. Voilà. Tu vois là que c'est la dernière bêta, donc moi je l'ai pas installé. Ça ne vaut pas trop le coup pour l'instant. Donc voilà, 3D1. Allez, on va aller sur ce serveur là. On va aller, je vais vous montrer un petit peu mon stuff, tout ça, tout ce que j'ai à peu près. Donc, je crois qu'il ne me reste plus trop grand chose. Enfin, vous verrez bien par vous-même. Oh, en plus, il n'y a personne dessus encore. Oh là là. Je trouve que c'est le bon serveur, on dirait. Donc, je pense que je vais couper cette fois-ci. Enfin, je sais pas. Ça dépend le temps. Ah, là, ça vient de me redemander de recréer un perso. Quelque Golova, c'est un truc de Tcherno électro, tout ça. Donc, voilà. Ben, je sais pas si vous me voyez trop. Donc, je vais quitter ce serveur là, c'est possible. Et mon stuff. Donc, je vais couper la vidéo, puis on se retrouve sur un serveur où que j'ai mon stuff, tout simplement. Parce que ça me fait un peu flipper. De près mes souvenirs, Donc, nous revoilà sur le serveur. J'ai à peu près tout mon stuff. Comme vous le voyez, je suis en guillet, tout ça. Donc je suis à Pusta, je me souviens plus trop. C'est... Ah d'accord, voilà. En plus on voit notre point sur la carte. C'est bien ça. Donc comme vous voyez, je suis assez proche de l'airfield pour ceux qui connaissent. Hein. Donc bah, tout simplement, là, ce but là, ça va être de vous montrer un peu ce que j'ai. Voilà. Donc voilà, dans ma moto, vous pouvez voir un M249, donc c'est pas la meilleure arme non plus. Hein. Une petite civiliane pour faire quelques petits bugs, un revolver, un peu des munitions, tout ça. Une lampe, un couteau, une horloge, une hachette, ça c'est un petit IRL là. Donc là je crois que c'est une pelle pour ramasser du sable. Donc là c'est une boîte d'allumettes, une toolbox, donc ça c'est une boîte à outils et la carte. Donc là pour en dessous pour voir une JVN et là des jumelles, donc je vais vous montrer ça vite fait. Donc la jumelle déjà. Donc on peut mettre la... Donc la jumelle avec les JVN, donc voilà. On voit pas grand chose qui fait poignée. Je vais la retirer. Je sais pas si on le voit. Ouais, donc ouais, c'est un peu trop clair. Donc je sais pas si. Ah, si je crois que sur le bonus de fin, on voit. Bah, mais je sais pas, vous verrez bien. De toute façon, je compte faire des vidéos bientôt. Sans problème. Je vais tuer quelques petits zombies si j'ai envie. C'est un petit mec que je peux faire des zombies. Oh, je suis mauvais en tir. Ça fait un petit moment que j'ai pas tiré. Hein.
Voilà. Donc mon debug monitor il a disparu parce que normalement il est là. Je sais pas si vous voyez ma souris là. Donc là il a disparu, bon, c'est pas grave, c'est pas trop gênant pour une petite vidéo là. Donc je ferai certainement, la prochaine vidéo sera certainement une vidéo sur l'airfield. Je serai accompagné je pense, donc que je vais essayer de forcer un petit peu Artyom de m'accompagner sur la vidéo. Hein. Enfin je sais pas, on verra ça entre les deux. Hein. Peut-être que je ferai une vidéo avec quelqu'un d'autre de ma team, je sais pas trop. Donc on peut faire un ghillie, c'est ça en fait. Hein. Un camouflage avec plein de feuilles. Bon, ça va un petit peu utiliser les zombies, puis je vais vous laisser... une fois les zombies tués, simplement. Donc comme vous pouvez voir au-dessus là, c'est bon, on voit pas, mais au-dessus, en haut à droite, mon arme a 200 balles. Regardez, si je recharge, voilà, vous pouvez voir 200 balles. Qui est différent de la MK 46, je crois que c'est ça. Elle n'a que 100 balles, mais des balles traçantes et un viseur COG. Pas mal d'options qui améliorent pas mal l'arme, puis elle est un peu puissante, un peu plus puissante que... tout simplement que avec cette arme là, la M149SO. Donc c'est mon... le serveur où là où je parlais avant, River c'est ça, a fermé le serveur. Ah je crois que je vous l'ai déjà dit. Je me souviens plus, donc il a fermé le serveur parce que bon ça coûtait un peu trop cher. Ah si ça je vous l'avais dit, donc je vais pas me répéter. Donc là je vais me cacher puis on va se quitter là dessus. Hein. Voilà. Puis je vais rejoindre près des fakes, ça comme vous pouvez voir. Après. Ah oui oui, j'ai oublié un petit truc. Pourquoi j'ai choisi de allumer, enfin de lancer DayZ avec arme, avec Steam, c'est pour bénéficier, de ce truc là pour pouvoir aller sur quand on a pas de stuff pour aller sur DSDB. C'est la map que je vous ai mise en description sur l'autre vidéo présentation DayZ. Simplement. Voilà. Ok, pas mal de trucs un peu là. Hein. Je crois que la map a été mise à jour depuis la dernière fois. Sinon vous verrez très bien. Hein. Puis voilà, okay, bon. On va se cacher vite fait, je pense que je vais jouer de sang après, ok bon. On ne se retrouvera pas là la prochaine fois. Voilà, on va se mettre au milieu des heures, allez. Quitter, enfin, mot de fin. Là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vert, un pouce bleu, un pouce multicolore sauf le noir et le rouge bien sûr. Donc je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour être à l'actualité de toutes mes vidéos qui peuvent sortir prochainement. Je pense faire du DayZ, tout ça, je pense refaire du Minecraft aussi bientôt. Donc comme vous pouvez voir si j'avais Splinter Cell, donc c'est un jeu de... d'infiltration, donc si vous voulez que je fasse un Westcode dessus aussi, no problème. Au moins une vidéo présentation, comme vous voulez, mais il n'y a pas de soucis. Attends, je vais faire un petit truc, hop là, pour faire un... pour la fin. Putain, je suis pigeon là-bas. Ah on peut faire quand même une belle cadence de tir. Hein, bon. Ah, je sais même pas ce que j'ai dans mon sac, on va regarder ça ensemble. Ah j'ai une deuxième bande. Ah putain c'est dupliqué je crois en fait. J'ai une bande qui se duplique. Bon autant mieux. Bah attends je vais la reprendre. Ça se duplique. T'en profiter. Donc bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est Visual. Ciao tout le monde. I spawned in Cherno again, trying to meet up with friends. I saw you looting the store, now you're in my way. I just saw you again. It was nice and fun. I wasn't looking for kills, but now you're in my way. C'est quoi ce bug? C'est moi qui te tiens maintenant. Ça marche plus. I'll have to shoot you. Your name is Daisy. You have some nice gear. Baby, and I'm quite hungry. No. Because maybe.
On est bloqué, je crois. C'est une idée. Attends. Tu peux pas me lâcher. Non. Attends. Marque le camp sur ta carte, s'il te plaît. Marque le camp le plus proche, s'il te plaît. Tant que je t'emmène. Le camp le plus proche, il est très long. S'en fout, on y va bien, attends. Il est là. Tu m'as dit où c'est, je t'emmène. C'est par là-bas. À la gauche. Gauche là-bas ? Non, à gauche, j'ai dit. À droite. Ah oui, ben. Tu me dis stop. Un petit peu à droite. Un petit peu à gauche, encore un peu. Ah voilà, c'est peu pas ça. Je continue de filmer, c'est marrant. Je crois que je vais mettre ça sur YouTube. Il pique. Ah, il m'enfonce dans la terre. Il m'enterre, le bâtard. Non. Non, je veux pas. Tu es ma nouvelle arme. Attention. Reste à l'aise. Super. Merde. Oh, tu t'évanouis. La merde, c'est évanoui. Mais si, je peux pas bouger. C'est quoi ce dans toi? Non, je peux me barrer, c'est quoi cette merde? Je peux me barrer. Je suis condamné à être avec toi. Oh merde. On est dans le bon endroit là. Je suis condamné. Vas-y, mais j'ai une bouche en zoom, c'est un peu bizarre. On est en face du point? Ouais, à peu près. Comme ça, on peut fuir, là. On est rattachés l'un à l'autre. Bon, ma tête. Regarde. Ah non. Donc, tu l'es. Allez, je suis dans la terre, je t'ai caché. C'est quoi ce bug? Oh non, c'est énorme. Va plus à droite, à gauche, je veux dire. C'est bon? Ouais, par contre, je peux pas bouger. Attends, si t'es que... Non, je peux pas. C'est un bug. C'est pas grave. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Yeah. Hey, big spender. Spend check. Yeah. A little time with me. Yeah. Sean Chung. Chip off the block at the top of the bank. Chips in my watch and the cry for the dang. Fuck what you think, got a cup for the drink. And we sip more liquid than what's up in my tank. I'm all about riches. I murder microphones, no witness. Got the beat.